Mesdames et messieurs, bonsoir. Le jeudi 18 juillet 2019, sous la haute présidence de Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 heures dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Dès l'ouverture de la séance, le Conseil des ministres a salué l'implication constante du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans les initiatives régionales visant à renforcer les liens d'amitié, stimuler les échanges économiques et consolider la coopération dans la sous-région. C'est dans ce contexte que le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu le mardi 9 juillet 2019 avec le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, M. Abbas Mohamed Toly. Cette audience a permis au chef de l'État et à son hôte d'aborder, d'une part, les questions essentielles liées à la conjoncture économique et financière au sein des pays de la sous-région. D'autre part, la mise en œuvre de la nouvelle réglementation de change et ses impacts multiformes. Dans ce même cadre, le 12 juillet 2019, le chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu le président de la République de Guinée équatoriale, Son Excellence Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, qui a effectué à Libreville une visite de travail et d'amitié. Au cours de cette visite de haut niveau, les deux chefs d'État ont examiné les sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre nos deux pays, la situation politique et économique de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, ainsi que les questions de développement, de paix et de sécurité dans la région. Sur le plan national, et en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État a présidé le mercredi 17 juillet 2019 la séance ordinaire de cette haute instance. Au cours des 10 travaux, le président de la République a apprécié le climat apaisé au sein des différentes juridictions, tout en invitant le garde des Sceaux à privilégier un dialogue permanent avec les partenaires sociaux. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de la Défense nationale, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant règlement de discipline générale dans les forces de défense. Ce texte permet aux différentes composantes des forces de défense de disposer d'un cadre de mise en application de la discipline générale au sein de nos armées. Celui-ci
se structure autour de quatre grands titres qui en constituent les axes majeurs, à savoir 1. Des règles de la hiérarchie militaire et du commandement. Cette partie traite non seulement de la structure hiérarchique des forces de défense par l'ordre des grades, mais aussi des règles du commandement et de la subordination. 2. Des devoirs et de la formation militaire. Ce titre aborde l'importance des devoirs et des responsabilités dévolues aux militaires, impose une formation et un perfectionnement adapté aux exigences des métiers des armes. 3. Des règles du service. Il s'agit dans cette partie des règles du cérémonial militaire, des uniformes et tenues, de la politesse militaire et du fonctionnement de la garnison. 4. Des récompenses et des punitions. Ce titre évoque la discipline qui est la force principale des armées. Elle définit l'obéissance et régit l'exercice de l'autorité. Ministère de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Le ministre a présenté au Conseil des ministres qu'il a adopté le projet de décret portant autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé laïque dénommé Institution privée Marie Nzaba, IPMN, à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Cet établissement secondaire vient renforcer les capacités d'accueil des structures éducatives dans cette province. En matière de politique générale, ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a pris acte des résultats des examens de fin d'année qui ont donné les résultats suivants. CEP, 41 838 candidats pour 36 650 admis, soit un taux de réussite nationale en hausse établi à 80,43%. BEPC, 32 937 candidats pour 17 472 admis, soit un taux de réussite nationale en légère baisse établi à 53,05%. Baccalauréat, 22 874 candidats pour 16 499 admis, soit un taux de réussite nationale en hausse établi à 72,11%. Au regard de ces résultats encourageants, le Conseil des ministres tient à adresser ses félicitations à l'ensemble du corps enseignant ainsi qu'à tous les personnels d'encadrement. Le Conseil des ministres adresse également ses vives félicitations à l'ensemble des élèves qui, par ses bons résultats, se sont appropriés les valeurs de la discipline, de la rigueur et du travail, passeport pour tout développement. Ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la mise en œuvre
du projet du nouveau modèle économique de développement des communautés locales situées à proximité des sites d'exploration et de production pétrolière. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République. Cabinet du président de la République. Conseiller spécial chargé de mission du président de la République. Madame Carmen Dao. Conseiller du président de la République. Monsieur Diumi Mubasango. Conseiller du président de la République. Madame Nazia épouse Bingouré. Chargé des missions du président de la République. Monsieur Kevin Mebale. Chargé des missions du président de la République. Madame Audrey Mebale. Chargé des missions du président de la République. Madame Najela Dunia Mendo Mba. Aide de camp du président de la République, capitaine François Mpari. Secrétariat général, conseiller du président de la République, monsieur Aimé Biban Bimba, en remplacement de Jean-Louis Kombila, remis à son administration d'origine. Haut commissariat à l'environnement et au cadre de vie. Haut commissaire adjoint, M. Valère Edzanzo. Directeur de la communication, Mme Charlène Mezza. Conseiller technique, M. Mexan Ngunga Bin. Chargé d'études, Madame Eliane Enyongo, primature, cabinet civil du Premier ministre, chef du gouvernement, département travail, chargé des relations avec les partenaires sociaux et du dialogue social. Conseiller, Monsieur Rodrigue Destin Makaya Taman, en remplacement de M. David Tom Mbumba, remis à la disposition de son administration d'origine. Conseiller, M. Bernard Mbondo Mubamba, en remplacement de Mme Annie Ghislaine Migyama, remis à la disposition de son administration d'origine. Attaché de cabinet, M. Jean-Marie Nambekale, en remplacement de Mme Noélie Ghislaine Mban Obam, épouse Etougué. Chargé de mission, M. Jean-Léon Dombeng, en remplacement de M. Clover Tadex Obiandong. Chargé de mission, M. Jonas Mouélé, en remplacement de M. Jean-Marie Nambekale. Département agriculture, forêt et environnement, chargé de la pêche et de l'élevage. Conseiller, Madame Tsayi Tsenge Mouvaga. Département juridique, chargé de la fonction publique, de la justice, de l'administration du territoire et des collectivités locales. Conseiller, Mesdames, Pierrette Okom, épouse Assoumou. Sylvana Alice Flor Abore Bekale. Monsieur Samuel Nzamba. Département économie,
finances et budget. Conseiller, Madame Kouba Pei Mouignon Fleur Regina. Département santé. Secrétaire technique, Madame Béatrice Béchaka Akomondo. Département politique, conseiller, Monsieur Jean-Pierre Mba. Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet, Monsieur Alain Batielili. Secrétaire particulière du ministre délégué, Madame Gisèle Moussavou Mbumba, épouse Assoumba. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Christelle Charlène Mbumba Bipakila. Secrétaire de cabinet, Monsieur Évariste Ekango Ondor. Secrétaire de cabinet, Monsieur David Aimé Nguema Kogé. Chargé d'études, Monsieur Claude Bernard Obamba. Chargé d'études, Monsieur Ulrich Titombi Tombé. Chargé des missions, Monsieur Jean-Baptiste Ebang Ekwagé. Chargé de mission, M. Florent Mbagou. Chef de protocole, Mme Edwige Solange, dont dite Biban. Aide de camp, adjudant Christian Ngorouma. Agent de sécurité, sergent chef-major Alphonse Ghislain Doutoum Elan Oyegé. Agent de sécurité, caporal chef Glenn Junior Mengua Ngapoussa. Chauffeur particulier du ministre délégué, M. Sosten Sowa Zigou. Secrétariat général du gouvernement. Direction générale des archives, de la Bibliothèque nationale et de la documentation gabonaise. Direction générale, directeur général, M. Eric Mokoudoum Mindepani, confirmé. Chargé d'études, Mme Edith Isongi Igoé. Secrétaire particulière, Madame Pelagie Minkwe Mingema. Direction des archives nationales. Directeur, Madame Claire Augustine Essongé William. Chef des services des archives publiques et parapubliques, Monsieur Achille Zengdon. Chef des services des archives provinciales, Monsieur Dominique Toulaye Avomo. Chef des services des archives privées, Madame Estelle Obé Ndoutoum. Direction de la Bibliothèque nationale. Directeur, Monsieur Félix Mouélé. Chef des services des imprimés et des documents spéciaux, Madame Chantal Nadine Johanna, épouse Ranozino. Chef de service d'accueil, de référence et d'orientation publique, Madame Sandrine Ngwabalili Massima. Chef de service du dépôt légal des entrées de la Bibliothèque nationale, Madame Edith Flore Tessé. Direction de la documentation gabonaise. Directeur, Monsieur Elvis Béranger
Masala, chef de service d'accueil, de référence et d'orientation publique. Monsieur Alix Stéphane Dzouti Mikala, chef de service des dossiers de presse. Madame Gladys Diogo, direction technique. Directeur, Madame Amélie Okom, épouse Si. Chef de service de la micrographie, de la réprographie et de l'édition, Madame Aude Gladys Nze Angara. Chef de service de la rayure et de la restauration, Madame Nicole Abdoulaye Mbeng. Chef de service de la formation et de l'informatique, Monsieur Georges Stéphane Rapochombo. Direction des personnels et des moyens. Directeur, Monsieur Jérémy Yannick Doumangoy. Chef de service du recrutement, de la gestion des carrières et des emplois, Madame Césarine Mécuy Molui. Chef de service du patrimoine et des moyens, Monsieur Joan Andy Wanis Lembumba. Ministère de l'Intérieur, de la Justice, Garde des Sceaux. Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet, Monsieur Philippe Bernabé Mba. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, Monsieur Arnaud Gervais Bitégué. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Olivier Marlène Ekominzé. Secrétaire de cabinet, Madame Hélène Dignangou. Secrétaire de cabinet, Madame Maïka Youmou. Chargé d'études, Monsieur Joseph Fennel Oyono Ossa. Chargé d'études, Monsieur Titon Yvon Bibalou Bibalou. Chargé de mission, Monsieur Félix Teddy Djoli. Chargé de mission, Monsieur Nikez Mebiam. Chef de protocole, Monsieur Christian Joël Badinga. Aide de camp, adjudant de gendarmerie Johanna Ornella Ondo. Agent de sécurité, sous-brigadier de police Alexandre Nguema. Agent de sécurité, sergent-chef de la sécurité pénitentiaire Cédric Arnaud Tétom Anzué. Chauffeur particulier du ministre délégué, Monsieur Léon-Pierre Ngoua. Ministère de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Séraphin Ibuanga. Conseiller juridique, Monsieur Kevin Ferdinand Djimba. Conseiller en communication, Madame Evan Viana Eyan Asoko. Conseiller diplomatique, Madame Jeannette Nganjas. Conseiller chargé du développement des territoires, Madame Pamela Marlène Bilami Singatadi. Conseiller chargé de la décentralisation, Monsieur Mick Mupeba Londo. Conseiller chargé de l'appui local, Monsieur
Medou Yongi. Chargé d'études, M. Thierry Ella Ondo. Chargé d'études, M. Romain Ndombi. Chargé de mission, Mme Adélaïse Marcel Massa. Chargé de mission, M. Anissé Armel Tiba. Secrétaire particulière du ministre, Mme Zita Andrea Assoua. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, M. Christian Angoué Esson. Secrétaire de cabinet, Mme Bernadette Sima. Secrétaire de cabinet, Mme Judith Nanou Koumba. Chef du protocole, M. Dieudonné Ngui Kimba. Aide de camp, lieutenant Frédéric Soma Maïla. Agent de sécurité, brigadier Le Bouba Abderrahman. Agent de sécurité, gardien de la paix, André-Paul Madouma. Chauffeur particulier du ministre, gardien de la paix, Chamberlain Yamba Komendi. Secrétariat général. Secrétaire général, M. Soka Norbert Vougamba. Ministère des Affaires étrangères. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Moïse Okoré. Conseiller en communication, Mme Fanny Huguette Atsam Ella Assa, épouse en vanne. Conseiller diplomatique, Mme Myriam Kourakou. Conseiller chargé des organisations régionales et internationales, Mme Stéphanie Onaondo. Chargé d'études, M. Juglak Esson Enong. Chargé d'études, Mme Roseline Akele Edou. Chargé de mission, M. Marc Grégor Osum Ndong. Chargé de mission, M. Guy Farel Alamna. Secrétaire particulière du ministre, Mme Flavienne Avomo Bekung. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, M. Léonce Osavu. Secrétaire de cabinet, Mme Lucie Rachel Tsunga. Chef du protocole, M. Sidney Daniel Antonio. Chauffeur particulier du ministre, M. Jean-Denis Obiang Nguema. Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet, M. Célestin Zengue. Secrétaire particulière du ministre délégué, Mme Audrey Malaika Nyangwe Bikeng. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Céline Elisabeth Yaya, épouse Mwanga Alvaro. Secrétaire de cabinet, Rosine Kundi, épouse Le Bouangé. Secrétaire de cabinet, Mme Ariane Linda Mbalekuma. Chargée d'études, M. Evrard Mukanyi Mungengi. Chargée d'études, Mme Rudy Laika Oyori Matala. Chargée de mission, M. Henri-Paul Lewin. Chargée de mission, M. Désiré
Carly Ikamba. Chef de protocole, Madame Livia Eteno. Aide de camp, Brigadier Jean-Félix Mangumba Lebissa. Agent de sécurité, Maréchal des logis chef Hervé Ngunzi. Agent de sécurité, Maréchal des logis chef Major Vivien Mbumba Mbadinga. Chauffeur particulier du ministre délégué, Monsieur Jean-Brice Zalembou Dibambou. Ministère de la Défense nationale. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Eugène William Mensan, confirmé. Conseiller chargé des partenariats publics-privés, PPP. Madame Louise Cardo, épouse Damas. Conseiller en communication, Monsieur Jean-Charles Igo Demba, confirmé. Conseiller diplomatique, Monsieur Jean-Richard Mbengili, confirmé. Conseiller technique, Monsieur Janvier Ngwaona, confirmé. Conseiller technique, Monsieur Landry Posso-Noël, confirmé. Conseiller technique, Monsieur Aimé Yembi, confirmé. Chargé d'études, Monsieur Ulrich Joël Diouf Elewani, confirmé. Chargé d'études, Madame Paul Ada Kogou Mombo, confirmé. Chargé de mission, Madame Angèle Agnoure, épouse Do Marcolino, confirmé. Chargé de mission, Madame Henriette Massanga Dissambo, confirmé. Secrétaire particulier du ministre, Monsieur Elvis Tinga Mwele, confirmé. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Capitaine Sidoni Moussunda Kombi, confirmé. Secrétaire de cabinet, Madame Josiane Bourdès Nguanga, confirmé. Secrétaire de cabinet, Madame Jeannette Maganga, confirmé. Chef du protocole, Monsieur Ulrich Jumas Tiantou, confirmé. Aide de camp, Capitaine Alain Ngakissa, confirmé. Agent de sécurité, Adjudant Loasi Boussougou, confirmé. Agent de sécurité, Adjudant Ken Stéphane Assé Akendengue, confirmé. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Eric Lembe Moussinga. Conseiller juridique, Monsieur Émile Parfait Ndon Ningon. Conseiller en communication, Madame Jennifer Mayombo. Conseiller diplomatique, Monsieur Hervé Ingenza. Conseiller technique, Madame Ophélia Mbazogé So. Conseiller technique, Monsieur Jean-Pierre Elelagé Zam. Conseiller technique, Monsieur Hubert Malia Kessani. Chargé d'études, Monsieur Émile Anvam. Chargé d'études, Monsieur Farlin Loris Njokunda Ngari. Chargé de mission, Madame Alice Josiane Nkolé. Chargé de mission, Monsieur Sébastien Massona. Secrétaire particulière du ministre, Madame Jocelyne Tsam Ovono.
secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Annie Myriam Bisseï, secrétaire de cabinet, Madame Augustine Ada Bikoro, épouse Nzé, secrétaire de cabinet, Madame Christiane Ningon, épouse Avung, chef du protocole, Monsieur Elie Brice Limbumba, aide de camp, Monsieur Serge Yambangoy, agent de sécurité, Madame Charlène Mila Mikina Angoué. Assemblée nationale, cabinet du premier vice-président, chef de cabinet, Monsieur Raoul Charles Ngari, secrétaire particulière, Madame Pélagie Fono Akué, épouse Ella. Chauffeur particulier, Monsieur Oxence Nguan Obouma. Conseil économique, social et environnemental. Bureau du Conseil économique, social et environnemental. Premier questeur, Madame Annie Léa Meillet Mobam. Deuxième secrétaire, Monsieur Claude Bernard Ntougué, cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental. Directeur de cabinet, Professeur Meda Menge Bidzo, cumulativement avec ses fonctions d'enseignant-chercheur à l'UOB. Chef de cabinet, Monsieur Thierry Martial Edzo Edo, secrétaire particulière, Madame Myriam Angé Essono, secrétaire de cabinet 1, Madame Odette Ndiengoy, secrétaire de cabinet 2, Madame Huguette Abeng Beyemé. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Georgette Akele Obian. Conseiller chargé des affaires administratives et des relations extérieures, Monsieur Guy Serge Ekouman Zué. Conseiller chargé des relations avec les autres institutions, la société civile et les collectivités locales, Madame Rosalie Ississou. Conseiller chargé des affaires juridiques, Madame Aude Sharon Wassamongo. Conseiller chargé de la communication, Monsieur Armand Mbazogo Akam. Conseiller chargé des affaires sociales et culturelles, Madame Rose Lelali, épouse Ekwa. Conseiller chargé des affaires économiques, financières et budgétaires, Monsieur Michel Boulingui. Conseiller chargé de l'aménagement du territoire et de l'agriculture, Monsieur Teddy Basile Moussa Moussavou. Conseiller chargé de l'environnement et du développement durable, Monsieur Richelieu Zue Obam. Chargé d'études, Monsieur Stéphane Ndong Ndong. Chargé d'études, Monsieur Marcel Biogo Biogo. Chargé d'études, Monsieur Ditengs Ibinga. Chargé d'études, Madame Valérie Bongo Ateba. Attaché de cabinet, Monsieur Jean-Fernand Esson Meigné. Attaché de cabinet, Madame Diane Armel Masunga. Attaché de cabinet, Monsieur Durand Angon Ella. Attaché de cabinet, Monsieur Guy Florent Abessolo Mba.
attachée de cabinet, Madame Micheline Essing-Tomo, attachée de cabinet, Monsieur Tomo Ngwanze Ernest Lucas Donald, chef du protocole, Monsieur Sylvain Edzang Assoumou, chef adjoint du protocole, Monsieur Claude Bertrand Mouélé, attaché de presse, Monsieur Alain Zué Demezo, attaché de presse, Monsieur Idriss Mungala, aide de camp du président du Conseil économique et social et environnemental, lieutenant de police Ndong Enam Tanguy Joanne, aide de camp du président du Conseil économique et social et environnemental, sous-lieutenant de police Abungonba Petila, agent de sécurité M. Étienne Beyeme Ondo, agent de sécurité M. Edouard Obian Abesolo, chauffeur particulier adjudant-chef de gendarmerie Zou Pango Genold Evra, chauffeur particulier adjudant de gendarmerie Biogé Abogé Blaise, chauffeur de liaison M. Philippe Nguema, chauffeur de liaison M. Arnaud Dan Obian, service rattaché, chef de service du bureau central du courrier, Madame Célestine Menge Ovono, chef de service procès verbal et journal des débats, M. Max Makaya Makaya, chef de service administratif et financier, M. Alexis Mitsa Minkoulou, secrétariat général, secrétaire général, Madame Bertie Itsembou, secrétaire générale adjointe, Madame Adèle Akele Ondo, cabinet des membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental, cabinet du premier vice-président, chef de cabinet, Madame Armel Diane Mouketou Bayette, secrétaire particulière, adjudant Adrienne Boissa Né Nyango Nieni, chargé d'études, M. Yannick Zoko Atou, chauffeur particulier, M. Pierre Isaac Wora, cabinet du deuxième vice-président, chef de cabinet, Madame Noéline Ondeno, secrétaire particulière, Madame Annick Joël Biogé Zaou, chargée d'études, Madame Marie Stella Panzou, chauffeur particulier, Monsieur Jean-Baptiste Jospin Mailly, cabinet du premier questeur, chef de cabinet, Monsieur Walter Obian Obian, secrétaire particulière, Madame Clarisse Abang Mvono, épouse Mézui, chargé d'études, Monsieur Félicien Mexan Ndong, chauffeur particulier, Monsieur Brice Arnaud Obam, cabinet du deuxième questeur, chef de cabinet, Madame Larissa Victoire Mbina, secrétaire particulière, Madame Adélaïde Karine Nadège Aroué Ponédian, chargée d'études, Madame Coralie Mouélé Eva, chauffeur particulier, Monsieur Aimé Kialo Lechamba, cabinet du premier secrétaire, chef de cabinet, Madame Chantal
Oyan Ondo, secrétaire particulière, Madame Nicole Flore Bella, chargé d'études, Monsieur Paul Hervé Nze Abogé, chauffeur particulier, Monsieur Faustin Dizambou, cabinet du deuxième secrétaire, chef de cabinet, Madame Gaëlle Mvé Obian, secrétaire particulière, Madame Otia Esula, épouse Zengoumbe Dibaka, Laure Mireille, chargé d'études, Monsieur Kevin Abogé Nguié, chauffeur particulier, Monsieur Arnaud Michel Meyo Obam, cabinet du troisième secrétaire, chef de cabinet, Madame Gilberte Bibambi Ngonga, secrétaire particulière, Madame Madeleine Marguerite Kobi, épouse Som Minko, chargé d'études, Monsieur Mungumbi Manfumbi, chauffeur particulier, Monsieur Stevie Deshishi Kambila, ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques. Secrétariat général, secrétaire général, Madame Nina Alida Abouna, secrétaire général adjoint, Monsieur Jean-Pierre Inyambi Manyima. Ministère de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Michel Tsamba. Conseiller juridique, Monsieur Guy Gervais Mbongo Otando. Conseiller diplomatique chargé des partenariats publics-privés, Monsieur Jules Bertrand Potier Luembe Luembe. Conseiller chargé de la promotion des investissements, Madame Sana Makanga. Conseiller chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires, Monsieur Yvon Capito. Conseiller en communication, Madame Aliana Daisy Ningon Mbele. Secrétaire particulière du ministre, Madame Evelyne Bayimissa Itzana. Secrétaire de cabinet, Madame Chimène Mouduma. Chargée d'études, Madame Sonia Kadoyi, épouse Owasango. Chargé de mission, Monsieur Arnold Story Mindou Mindou. Chargé de mission, Madame Solange Nathalie Ogula. Chef de protocole, Monsieur Pierre-Philippe James. Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet, Monsieur Jean-Hilaire Angouemba. Secrétaire particulière du ministre délégué, Madame Noélie Ghislaine Mbang Obam. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Monique Kanga. Secrétaire de cabinet, Madame Solange Zhang Bekale. Secrétaire de cabinet, Monsieur Jean-Pierre Assoum Bekale. Chargé d'études, Monsieur Maximin Ndam Mebale. Chargé d'études, Monsieur Guy Cédric Ondo Meyer. Chargé des missions, Madame Léontine Eyang Obam. Chargé des missions,
M. Antoine Abesolo Obam. Chef de protocole, M. Raymond Zembe. Aide-camp, sous-brigadier Jisraël Petussi Kasenge Kayas. Agent de sécurité, sous-brigadier Francky Albin Ondor Ndon. Agent de sécurité, M. Raymond Kevin Louis-Marie Nguan Obam. Chauffeur particulier du ministre délégué, M. Rodrigue Bikeny Meyo. Secrétariat général, secrétaire général, M. Pierre-Marie Mboula. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du transfert des technologies. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Dr. Emmanuel Thierry Koumba. Conseiller juridique, Madame Lisa Steny Manyanya Koundi. Conseiller en communication, Madame Marlène Pambo. Conseiller diplomatique, M. Charles Matotou. Conseiller technique, Madame Marie-Joselle Pelagie-Itsana. Conseiller technique, M. Alain Armand Koa. Conseiller technique, M. Fred Aurel Zéou Moussok. Chargé d'études, M. Étienne Francky Meba Ondo. Chargé d'études, M. Jean-Paul Obanda. Chargé de mission, M. Hugues Boussougou Ngoma. Chargé de mission, M. Noël Isombo Makwanza. Secrétaire particulière du ministre, Madame Joséphine Mipoti. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Charlotte Marundou. Secrétaire de cabinet, Madame Elvie Tilda Sveltana Bachi Bachi. Secrétaire de cabinet, Madame Denise Veuve Mikala Mbumba. Chef du protocole, brigadier chef-major Germain Ngassa. Aide de camp, adjudant Jean Léger Mbumba. Agent de sécurité, sous-brigadier de police Claude Kogou. Agent de sécurité, gardien de la paix Poupin Emma Mbadinga. Chauffeur particulier du ministre, M. Herman Ikabanga Nzolo. Ministère de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Gervais Marius Leka. Secrétaire particulier du ministre délégué, Madame Soulka Binda Kondi, épouse Don Mebiam. Secrétaire particulière du ministre délégué, Madame Soulka Binda Kondi, épouse Don Mbiam. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Jeanne Daniela Minkwe Mindong. Secrétaire de cabinet, Madame Fabiola Baboli Besset. Secrétaire de cabinet, Madame Christelle Makaga. Conseiller en communication, Monsieur Éric Simon Zué. Chargé d'études, Monsieur Alexandre Bikoukou. Chargé d'études, Monsieur David Eloge Mombo. Chargé de mission, M. Mathias Manfumbi.
chargée des missions, Madame Lauriane Mabamba. Chef de protocole, Monsieur Victor Landry Moussavou Ngoyo. Aide de camp, adjudant Joël Moutendi Ndinga. Agent de sécurité, maréchal de logis, Anto Ornella Babika Bukwenzi. Agent de sécurité, maréchal de logis chef, Louis Cédric Louembe Mugiama. Chauffeur particulier, M. René Aldi Gibinga Gibinga. Ministère du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Pierre Clavet Fouba. Conseiller juridique, M. Steve Obianze. Conseiller diplomatique chargé des affaires administratives, Madame Bigundu Ne Mbumba Takamu. Conseiller en communication, M. Thierry Ndime Essaba. Conseiller chargé de la CEMAC, autre institution régionale et sous-régionale, M. Christian Patrick Ebe. Conseiller chargé du commerce, M. Jandro Moulanja. Conseiller chargé de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, M. Valéry Justin Adandé. Conseiller chargé de l'artisanat, Mme Inès Boussougou. Chargé d'études, Mme Diline Sherbine Boukedi. Chargée d'études, Madame Jonic Esmeralda Boutoto Moussavou. Chargée des missions, Madame Sylvie Mouleba. Chargée des missions, Monsieur Laurent Obam Eya. Secrétaire particulière du ministre, Madame Armel Léonie Yeye Makili. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Pelagie Moussavou. Secrétaire de cabinet, Madame Serjodi Mungengi. Secrétaire de cabinet, Madame Djaba Ne Njakisa Itinda Meli. Chef du protocole, Monsieur Boussougou Franck. Agent de sécurité, maréchal de logis chef, Armand Mbumba Mbaki. Agent de sécurité, maréchal de logis chef, Arnaud Mboulou Mihindou. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Parfait Régis Mbou Mundele. Inspection générale des services. Inspecteur général, Monsieur Jean Jaurès Boudzanga. Inspecteur général adjoint, Monsieur Mesmin Oyono Afen. Office gabonais de la propriété industrielle, OGAPI. Directeur général adjoint, Monsieur Gildas Boris Ndongna. Direction générale de l'industrie et de la compétitivité. Directeur général, Monsieur Michel Antselevé. Ministère de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle, chargé du dialogue social. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Cyril Angoué, confirmé. Conseiller diplomatique, Madame Nora Uriel Nyangi
Nguema confirmé. Conseiller en communication, M. Olivier Ongota Makanga. Conseiller chargé de la fonction publique, Mme Yemalin Victoire Oukbedji, confirmé. Conseiller en charge du travail et de l'emploi, M. Claude Thibault Balongui, confirmé. Conseiller politique et de la formation professionnelle, M. Gilles Paulin Alela Barrier, confirmé. Chargé d'études, Madame Madeleine Koutana Kwanga, confirmé. Chargé d'études, Monsieur Éric Georges Maury, confirmé. Secrétaire particulière du ministre, Madame Ophélie Omanda, confirmé. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Marielle Corinne Pédom Ngon, confirmé. Secrétaire de cabinet, Madame Malaika Sharon Metom Memiage, confirmé. Secrétaire de cabinet, Madame Charlène Bakoudissa, confirmé. Chargée des missions, Madame Martine Elisabeth Grasse Swami Tati, confirmé. Chargé des missions, M. Jean-Baptiste Bekale Angwe, confirmé. Chef du protocole, M. Jean-Pierre Macambier, confirmé. Aide de camp, sergent-chef-major Paola Ojukwu Ngouwa, confirmé. Agent de sécurité, sergent-chef Yannick Kodia Afemogo. Agent de sécurité, adjudant Claude Waman Osibajuo, confirmé. Chauffeur particulier du ministre, M. Childéric Lepanga Mangundi, confirmé. Direction centrale des archives et de la documentation. Directeur adjoint, M. Alain-Claude Louembe. Chef des services de la documentation, M. Francis Gautran Nzé. Projet de renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes et l'amélioration de la protection sociale et cellule de gestion et de suivi du projet de construction des 3 centres de formation professionnelle par AVIC NTL. Coordonnateur des unités de projet, Madame Gaëlle Bitégué. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation. Cabinet du ministre. Conseiller en communication, M. Jean-Hugues Asseco. Direction générale de l'Agriculture. Directeur général, M. Max Auguste Ossou Videgla. Directeur général adjoint, Mme Guylaine Flore Karen Mupinga Kumba, épouse Maïssa Mbaba. Agence gabonaise de sécurité alimentaire, AGASA. Directeur général adjoint, M. Didier Mebiam. Conseiller, Mme Maryse Colette Adiaeno Maloba, en remplacement de M. Jean-Félix Ibouessé, remis à la disposition de son administration d'origine. M. Guy Cédric Guima Guima. Direction administrative et financière. Directeur, Madame Aurélie Blanche Luma. Direction de l'évaluation des risques sanitaires
et des phytosanitaires. Directeur, Madame Sheila Mebiam Biquet. Direction de l'inspection et des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Directeur, Monsieur David Franck Nguessi. Direction des opérations techniques. Directeur, Madame Aïssatou Aïcha Barry. Direction sanitaire halieutique. Directeur, Monsieur Lionel Ngeba Mombo. Agence de développement agricole du Gabon, ADAG. Directeur général, Monsieur Rolexin Ngangori Adamas. Direction de la promotion des partenariats et de l'entrepreneuriat rural. Directeur, Monsieur Osende Essanga Lazare. Ministère des Mines, de l'Énergie et des Ressources Hydrauliques. Secrétariat général. Secrétaire général, Monsieur Jeannot Kalima. Direction régionale. Direction subdivision Ogoué-Maritime. Directeur, Monsieur David Arnaud Ilougou. Société équatoriale des mines, SEM. Président du conseil d'administration, Michel Mboussou. Directeur des investissements, Monsieur Ashley Patrick Akendenge Toazoun. Conseil national de l'eau et de l'énergie. Directeur général adjoint, Madame Chantal Oyer Efoulou. Ministère de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics. Cabinet du ministre. Conseiller en construction et équipement, Monsieur Jérôme Effon Zolo, en remplacement de Madame Aurélie Ndoutoum. Conseiller économique, Madame Prisque Hortense Obana Essem. Chargé d'études, Monsieur Nestor Apili, en remplacement de Monsieur Eloy Ngaïn Ngaboni. Chargé des missions, Monsieur David Fernand Okobongo Mvou, en remplacement de Monsieur Justin Yabina. Secrétaire particulière du ministre, Madame Sarah Marthe Mbourou, en remplacement de Madame Anaël Mboudom Noumbi. Secrétaire de cabinet, Madame Chris Lévy Rudy Mbakama Ouba, en remplacement de Madame Marilyne Gono Ebanga. Inspection générale des services. Inspecteur général des services, Monsieur Ange James Akanda, en remplacement de Monsieur Ilé Lenjunda. Inspection générale des services adjoint, Madame Brigitte Levagosa. Direction générale de l'entretien des routes et aérodromes. Direction provinciale du Wellentem. Subdivision des travaux publics d'OIEM. Chef de la subdivision des travaux publics d'OIEM, Monsieur Abogo Zouamve. Ministère des Transports et du Tourisme. Office des ports et rades du Gabon, au Prague. Conseiller du directeur général, Madame Alima Ebori Bongo Ondimba, épouse Si. Directeur administratif
et du personnel. Madame Claire-Élise Mboul-Mounombi, épouse Loflem, directeur de la communication et des relations publiques, Monsieur Paul Avougou Dila, commandant du port d'Ovendo, Monsieur Judith Kael Romaric Ebinda Ngunga, agence gabonaise de tourisme et de l'hôtellerie, Agatour, directeur général, Monsieur Christian Mbina, directeur général adjoint, Monsieur Neil Moré-Mba, Autorité de régulation des transports ferroviaires, RTF, secrétaire exécutif, Madame Karine Cecilia Arissani, Société gabonaise de transport, Sogatra, président du conseil d'administration, Monsieur Martin Ngwa Obam, en remplacement de Monsieur Alexandre Désiré Tapoyo. Ministère de la Culture, des Sports, chargé de la jeunesse et de la vie associative. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Dr Marcel Joachim Medzegué. Conseiller juridique, M. Jean-Pierre Joseph Nyango Nyeni. Conseiller en communication, Madame Laetitia Mebalé. Conseiller diplomatique, Madame Sonia Rachel Geneviève Olendo. Conseiller technique, Monsieur Jean-Martin Mbazougué. Conseiller technique, Monsieur Joseph Serge Mézu Mobian. Conseiller technique, Monsieur Armel Fabrice Makwanza, chargé d'études, Madame Lailatou Kani Onzaga Tunkara, chargé d'études, Madame Alix Michel Medza Olomou, chargé de mission, Monsieur Jean-Pierre Frédéric Mabignat Iganda, chargé de mission, David Juste Passi Mata, secrétaire particulière du ministre, Madame Audrey Bitom, secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Claren Bombolo Pendi, secrétaire de cabinet, Monsieur Jeffrey Oyono Mezui, secrétaire de cabinet, Monsieur Yohan Karl Akendenge, chef du protocole, Monsieur Luc Nazet Mukanda, aide de camp, brigadier Sylvain Martial Etougué Obian, agent de sécurité, brigadier chef Yannick Dimitri Bélé Tembe, agent de sécurité, maréchal de logis Ulrich Venceslas Elie Ndong Nguéman, chauffeur particulier du ministre, M. Igor Lendoy Lembiri, direction générale des loisirs, directeur général adjoint, Madame Awa Dandi Anyen Choué, direction générale de la promotion de la vie associative, directeur général adjoint, Madame Natacha Kassa, ministère de la Santé, cabinet du ministre, directeur de cabinet, Monsieur Jean-Paul Thiry, conseiller en communication, Monsieur Lionel Ndon Eyegué,
conseiller diplomatique, Madame Gilberte Boukani, épouse Badjam, conseiller technique, Monsieur Thomas Wandier, conseiller technique, Monsieur Gervais Bangebe Paya, conseiller technique, Monsieur Martin Essono Ndoutoumou, chargé d'études, Monsieur Johnny Steven Pomangoy, chargé d'études, Monsieur Steven Chirac Abondo Nganja, chargé de mission, Madame Nathalie Vovo, chargé de mission, Monsieur Espérant Gortien Rossi, secrétaire particulière du ministre, Madame Rachel Viviane Kouyi Kayi, secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Fallon Lipila Nzipa, secrétaire de cabinet, Madame Yvonne Gislet Bungenza, secrétaire de cabinet, Madame Tatiana Bungwere, chef du protocole, Monsieur Juste Espoir Eyougou Ebengé, aide de camp, adjudant Likwere Edmond Roger, agent de sécurité, maréchal de logis chef major Anaclé Boudzengi, agent de sécurité, maréchal de logis chef Simplice Commandi Nzobo, chauffeur particulier du ministre, Monsieur William Steve Nzungi, hôpital de la coopération égypto-gabonaise, directeur, Dr Cynthia Mebale, épouse Ndoutoum Ongon, en remplacement du Dr Mfourou, centre hospitalier universitaire d'Ovendo, CHU Ovendo, directeur des affaires médicales, professeur Alain Makungu, en remplacement du professeur Nzoge Nguema, direction générale des établissements et des prestations de santé, directeur général, Madame Alice Bakissa Nembe, ministère de l'économie, des finances et des solidarités nationales, cabinet du ministre, directeur de cabinet, Éric Mézu M'inquiète, conseiller juridique, M. Serge Bertrand Abessolo, conseiller en communication, M. Cédric Alaric Moubouyi, conseiller technique chargé des solidarités nationales et de l'administration générale, Mme Charlène Safou Koumba, secrétaire particulière du ministre, Mme Patricia Hubert Mapangu, secrétaire de cabinet, Madame Larissa Bouyou, épouse Moukamba, aide de camp, brigadier chef-major Yves Daniel Madouma, agent de sécurité, adjudant de gendarmerie, Sivet Kaboubi Mbani, secrétariat général, secrétaire général, Madame Edith Ekiri Mounombi, épouse Oyumi, secrétaire général adjoint, Monsieur Serge Alain Eliwa Choni, direction générale du budget et des finances publiques, direction de la préparation et de la programmation budgétaire, directeur, M. Bertrand Josapha Olian Angon, directeur adjoint, Mme Natacha
Manumba épouse Mulungi. Direction de suivi et de la régulation de l'exécution budgétaire. Directeur adjoint, Madame Marielle Mabika Mamutinga. Direction générale des douanes et des droits indirects. Direction générale. Directeur général, Monsieur Dieudonné Lewamuo Obisa, confirmé. Directeur général adjoint, Madame Solange Marthe Giaquier, confirmé. Services territoriaux. Chef du bureau de Vendo Port, Monsieur Donatien Moukala. Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Direction générale. Chargée d'études, Madame Ariane Anoué Obian. Chargée d'études, Monsieur Tanguy Gaëtan Bakoloso. Service d'appui. Inspection des services. Inspecteur des services, Monsieur Crézan Pambo. Inspecteur des services adjoint, chargé du pôle management et pilotage, Madame Sidonie Ngoma. Inspection des services adjoints, chargé du pôle informatique, Monsieur Alain Kassa Bayonne. Inspecteur des services adjoints, chargé du pôle audit et maîtrise des risques, Madame Nadine Pierrette Mbaye Eyougou. Inspecteur des services adjoints, chargé du pôle contrôle des postes comptables, Monsieur Camille Mbika. Pôle pilotage et management. Inspecteur vérificateur, Mesdames Denise Okomo Abesolo, Huguette Pascal Kombila épouse Kassa Mapsi, Brigitte Zenge Koyo épouse Maïla, Denise Nathalie Lelani, Petula Janice Tinga Tounougou, Isabelle Kwaou, Marie-Charlotte Mumbangu, Messieurs Kevin Longo Ngafoua, Jean-Oscar Iboti, Pierre-Célestin Mapangu, inspecteur vérificateur adjoint, Mesdames Francisca Mapangu Kumba, Pamela Mapela épouse Pendi, Marie Moukala épouse Doumacese, chargée de vérification, Madame Danielle Ndembi épouse Obian Boulou, Paul Audi et maîtrise des risques, inspecteur vérificateur, Mesdames Scolastique Nzang Ngon, Rosalie Koulou, Francine Malonga, Monsieur Guy Nazer Samba, Olivier Panza, David Antseleve Osiba, Claude Pamphile Yumu Andimi, Roger Ondomba, Joseph Tchumbu, Marcel Iganga, Serge Desfin Oki Ledaga, Séverin Koumou, inspecteur vérificateur adjoint, Monsieur Fabrice Ovolo, Maurice Leflemme, Nestor Mouélé, Pôle contrôle des postes comptables, inspecteur vérificateur, Mesdames Martine Ngassala épouse Osagou, Clémentine Niondo, Gisèle Ongolo épouse Bekale, Sophie Migolet,
messieurs Emmanuel Nzengwa, Hans-Basile Ganinga, Jean-Pierre Kenke et Vidan Pacom Assomo, Anissé Kwamba Ndjia, Yvon Bertrand Badinga, Marcelin Bousset Efengé, René-Paul Boulingui, Thierry Eloi Mayini Nzengé, inspecteur vérificateur adjoint, messieurs Michel Nguilessa, Louis-Bertrand Menvier Obiang, Frédéric Emmanuel Laban Obam, Guy Maganga Bunda, direction des ressources humaines, chef des services recrutement et gestion des carrières, Madame Laetitia Nadia Minjundi, chef des services contentieux et affaires sociales, Madame Chimène Daria Mombo Mbina, chef des services archives et documentation, Madame Salomé Alice Denise Ibenge I Mbumba. Direction du patrimoine et des moyens. Directeur adjoint, Madame Nina Flore Mathurine Kabangoy. Chef des services patrimoine, Monsieur Terence Cédric Ivala. Chef des services financiers, Madame Olabou Danissa Nancy Mikala. Direction des systèmes d'information, directeur, Monsieur Jovin Pendi Leyoka. Chef des services exploitation, Madame Leila Karel Zebika, épouse Tsamba. Chef des services monétiques et sécurité, Monsieur Mapage Demo. Chef des services réseau et énergie, Monsieur Anissé Judas Odja. Direction des études et de la réglementation, chef des services cadre comptable et budgétaire, Madame Jeanne d'Arc Okomo Abaga. Chef des services réglementation, Madame Estelle Sandra Mbolo. Direction des opérations monétaires et financières, chef des services opérations financières, Madame Sonia Augustine Barrier Nguanga. Chef des services contrôle des risques, Madame Christine Mayele, épouse Akei. Service accueil et relations publiques, chef des services, Madame Dimengi Moulungi Binjongu. Services centraux, direction de la dépense, directeur, Monsieur William Matangoy, directeur adjoint, Anistène Dibangoy, chef des services dépenses de l'administration sociale et de l'éducation, Madame Marie-Gabrielle Grasse et Tinda Nouo, chef des services dépenses de personnel, Madame Chimène Stella Tsumba Nombo, épouse Isongi. Direction des règlements, chef de service règlement, Monsieur Égide Demba Mboma. Chef de service comptabilité, Monsieur Idriss Pascal Edang. Chef de service guichet, Monsieur Éloge Joël Moussavou Mikala. Caissière principale, Madame Edith Bertie Apinda, épouse Mabiala Imunga. Direction des recettes hors pétrole, directeur adjoint, Madame Valérie Marie Clarisse Onian. Chef de service douane, Monsieur John Modeste Founa. Direction des recettes pétrolières, directeur adjoint, Monsieur Hervé Ongali.
chef des services recettes non fiscales, M. Christian Anduka, direction de la centralisation et de la production comptable, directeur, M. Cédric Olian Kassandi Titamboué, directeur adjoint, M. Jules Ngia Selengasso, directeur adjoint, M. Vianney Maganga Moukeitou, chef de service post-comptable extérieur, Mme Edna Okias, chef de service post-comptable intérieur, M. Détenzé Steve Mapaga Mouziegou, chef de service qualité comptable et production, Mme Rachel Vuono Onyaligi, direction du compte de gestion, directeur adjoint, M. Yves Barens Ngunda, chef de service dépenses de l'État, M. Karl Mwitila, chef de service recettes de l'État, Mme Elodie Chimène Talandji, chef de service collectivité locale et établissement public, Mme Annick Ikoutou Ankambi, centre de formation et de documentation du Trésor, directeur, M. Martial Leinda Minzeli, chef de service formation et pédagogie, Mme Elfriede Pascal Aïtébé, épouse Ivanga, chef de service logistique, Mme Romina Yermina A. Asselé, projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise et projet d'appui au programme Graine 1. Coordonnateur des unités de projet, M. Amon Romain Vanga Daniel. Direction des vérifications fiscales, directeur, Mme Christiane Mara Abila. Caisse de stabilisation et de péréquation, CESTAB, direction générale, conseiller du directeur général, Mme Nelly Oranga, en remplacement de M. Jean Nganji, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Messieurs, Aristide Roger Djoué, en remplacement de M. V. Kogelui Philippe, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Jonathan Ndoutoum, Caisse nationale de l'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS, directeur du système d'information, M. Fernand Jumas Salamba, Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, président du conseil d'administration, M. David Badinga, directeur général, M. Romaric Ghislain Youmou Mbodo, directeur général adjoint, Mme Martine Ningon Obam, en remplacement de Dr. Ella Assa, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Secrétaire général, Dr. Laurent Yami, directeur de l'immatriculation et du recouvrement, M. Cédric Mbouri. Ministère de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat.
cabinet du ministre, directeur de cabinet, M. Ludovic Ngok-Mbanank, conseiller juridique, M. Jean-Richard Zengdong, conseiller en communication, Mme Guylaine Guechino-Omanda, conseiller diplomatique, M. Jean-Robert Mabobé, conseiller Gabon Vert, M. Ghislain Aimé Boupo, conseiller financier, M. Jean-Guy Joachim Diouf, conseiller des services écosystèmes et ODD, M. Aristide Kassangoy, chargé d'études, Mme Anne-Marie Ndong Obian, chargé d'études, M. Clotaire Moukeni Sika, chargé de mission, M. Joachim Dibakou, chargé de mission, Mme Colette Dekamabala, secrétaire particulière du ministre, Mme Audrey Genaël Rufine Yebe, secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Armel Akoum, secrétaire de cabinet, Mme Rogue Diana Olomo Mihindou, secrétaire de cabinet, Mme Raïssa Lendira, chef du protocole, Mme Nina Sylviane Kamela Louembe, aide de camp, M. Mbwanga Marc Mapangu Mukani, agent de sécurité, M. Rony Brel Oyougou, agent de sécurité, M. Franquin Ganesh Okoma Lekogo, chauffeur particulier du ministre, M. Gaëtan Obam Endaman, Agence nationale des parcs nationaux, secrétaire exécutif, M. Vivien Jean-Joseph Okui Ngalefuru Wangama, secrétaire exécutif adjoint, M. Christian Tchemambela, directeur des opérations, M. Alain Patrick Kogezé, ministère des aménagements fonciers, de l'urbanisme, de l'habitat et du logement, cabinet du ministre, directeur de cabinet, M. Albert Biniga, secrétaire particulière, Mme Judith Mubwengu, épouse Mbadinga, conseiller en communication, M. Bikorobi Alogo Patch B. Taylor, chargé de mission, M. Jimmy Rock Laka, chargé de mission, M. Bévis Mbadoumou, aide de camp, adjudant Fleury Fabrice Ibiti Massala, agent de sécurité, adjudant chef-major Hugues Martial Mbema, agent de sécurité, sergent-chef Théophile Metou et Comessé, chauffeur particulier, sergent-chef-major Claude Ngalekori, inspection générale, inspecteur en charge des affaires administratives, M. Charles Sadi, secrétariat général, secrétaire général, M. Armand Serge Ndong, secrétaire général adjoint, Mme Juliette Corinne Skit, centre technique de l'habitat, directeur général, M. Dieudonné Funga, agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, directeur du service informatique, M. Og Champlain
Biyambu, Société nationale immobilière, SNI, Direction générale, conseiller du directeur général, M. Germain Nzala. Ministère de la Communication et de l'Économie numérique, cabinet du ministre, directeur de cabinet, M. Émile Tonda, conseiller juridique, M. Alfred Kédiné, conseiller en communication, M. Rodrigue Bissaou, conseiller diplomatique, M. Fabien Omer Dimina Dambou, conseiller technique, M. Franck Mindoumbi, conseiller technique, M. Riffin Membol, conseiller technique, M. Basile Menzolé, chargé d'études, M. Martin Luther Mendom et Kamkam, chargé d'études, M. Arnaud Régis Mbumbu Miyakou, chargé des missions, Meda Antoine Osombi, chargé des missions, M. Joe Michel Djatola, secrétaire particulière du ministre, Mme Eunice Moulomba, secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Lucie Mbomwadia, secrétaire de cabinet, Mme Alette Mwatowa Lendengoy, secrétaire de cabinet, Mme Paola Nana Ekola, chef du protocole, M. Michel Ngoyo Moussavou, aide de camp, M. Mamadou Mboumou, agent de sécurité, M. Luc Emery Mabako, agent de sécurité, Karl Jesquin Digné, chauffeur particulier, M. Alexis Roger Niandier, société des patrimoines des infrastructures numériques, SPIN, direction générale, directeur général adjoint, M. Émile Kambila, direction générale de la promotion de l'économie numérique, directeur général, M. Raphaël Mezu Mincha, Gabon Télévision, direction générale Gabon Télévision, conseiller technique, Mme Marie-Josée Ndombi, chargé d'études, M. Célestin Eyebe Obian, assistant technique, Mme Karina Pascal Ondo Memburu, secrétaire particulière, Mme Marie-Ange Euphrasie Oyila, chef des services patrimoine, M. Bruno Ekomessé, chef des services logistiques, M. Gatien Mbumba Moussavo, direction des actualités télévisées, directeur des actualités télévisées, M. Martial Chibinda, directeur adjoint, Mme Sheila Leboussi Ankassa, épouse Mébalé, chef des services, Mme Lydie Mouélé, chef des services sport, Mme Larissa Laure Medza Mendon, direction des programmes production télévisée, direction des programmes production, Mme Victorine Bella Meyo, chef des services production, M. Victor Mébalé, chef des services d'exploitation, M. Thierry Léandre Bina, direction technique et exploitation, directeur technique et exploitation, M. Müller Apaga, directeur adjoint, M. Clément Meunier Mézuy, chef des services maintenance, M. Armand Kalmef Moutinga, chef des services exploitation, M. Dieudonné Tuampolo Ngondé, chef des services archives et documentation, Mme Elda Manomba,
Direction administrative et financière. Direction administrative et financière. Madame Mireille Lemono-Lomo. Chef des services, Monsieur Albert Boissa Mouketou. Chef des services, ressources humaines, Madame Chamel Otamo. Service commercial, chef des services, Monsieur Patrick Essi-Weng. Pôle numérique, chef des services, Madame Winnie Guédoline Dani Aingon Minko. Ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Simplice Nzamba. Conseiller diplomatique, Monsieur André Brice Boubenje. Conseiller en communication, Monsieur Jean-Gervais Njimbi Ndong. Conseiller juridique, Monsieur Jean-Bédel Moussodou. Conseiller technique chargé des questions administratives, de la formation et des relations avec les partenaires sociaux, Monsieur David Tom Mbumba. Conseiller technique chargé des questions pétrolières et gazières, Monsieur Étienne Lepoukou. Conseiller technique chargé de la prospective et de la promotion du bassin sédimentaire, Monsieur Sylvain Animbogo. Chargé d'études 1, Monsieur Béchi Givens Pascal Pemengoy. Chargé d'études 2, Monsieur Adjuma Diande Makana. Secrétaire particulière, Madame Stéphanie Peba Badinga. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Stéphanie Meye Messima. Secrétaire de cabinet 1, Madame Muriel Rago, épouse Mavungu. Secrétaire de cabinet 2, Madame Diane Marcel Vélé. Chef du protocole, Monsieur Brice Makouya. Aide de camp, Monsieur Serge Alain Mbumba. Agent de sécurité 1, Monsieur Junior Ravogo. Agent de sécurité 2, Monsieur Wilfried Gildas Mbumba Mbumba. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Yous Madoukou Ngimbi. Chargé de mission 1, Madame Elie Moussavou. Chargé de mission 2, Monsieur Urbain Moukambi. Inspection générale des services. Inspecteur général adjoint, Monsieur Hervé Nzamba Nzamba. Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers. Directeur général, Dr. Nicole Christiane Asselé. Société nationale des hydrocarbures, Gabon Oil Company. Direction générale, directeur général adjoint, M. Léandre Anoué Kiki. Conseiller technique de l'administrateur directeur général, M. Jean Koumbi Guiedi. Je vous remercie.